Tout le monde, c'est Ferox. J'espère que vous allez bien. Et si vous n'allez pas bien, je ne suis pas médecin, donc je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars, sur un fond de gameplay de Spider-Man 2. Je vous avais dit lors du live hier que j'avais acheté une clé version japonaise à 10,20€. Voilà. C'est toujours mieux que 80 balles. Effectivement, le jeu est disponible que en anglais et en japonais. Enfin, du moins, pour jouer en anglais, il faut mettre sa console en anglais. Donc, j'ai envie de te dire, Osef, hein, Spider-Man, bon, si tu comprends quelques petits mots en anglais, voilà, tu sais que, comme je vous ai dit, les gars, lors du live, si vous avez fait le premier Spider-Man sur PS4 et vous avez fait Miles Morales, tu vas pas être perdu parce que c'est exactement la même chose. Et également, petit disclaimer, je trouve que le jeu n'est pas si beau que ça. Pas simplement, hein, au niveau des personnages, au niveau de certaines textures, etc. Donc comme quoi, le vendre uniquement sur PS5 au prix fort, c'est-à-dire 80 balles, je trouve ça un peu limite en sachant qu'il offre vraiment rien de next-gen pour le coup comparé au précédent. Bref, mais là n'est pas le sujet les gars. Aujourd'hui, on va parler, encore une fois, d'une information, a priori, alors, certains n'ont pas attendu, bien évidemment, de faire leur vidéo et de dire que ça y est, c'est acté, c'est sûr, parce que, soi-disant, le média, il est très connu, il est très réputé, ils ont tout le temps raison, donc c'est sûr et certain. Non, d'accord, encore une fois, tous les médias peuvent se tromper, et la preuve en est, il y en a eu pas mal, hein. Ces mêmes personnes qui balançaient des éloges à Bloomberg et compagnie, et qui se sont fail sur beaucoup de choses, hein. Par exemple, la Switch 4K. Pro, à la bisou, hein. Bon, voilà, donc cette fois-ci, il s'agit du site The Verge qui apporte que, a priori, Xbox préparerait un remake de Halo Combat Evolved, donc le tout premier Halo, d'accord, et que ce jeu pourrait arriver sur PlayStation. Voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent leur dire ça? Bah pas grand-chose, juste histoire de... Voilà, tout simplement. Bref, je voulais un article d'Xbox IGN et après on en parlera un peu plus, voire en même temps si on tombe sur quelque chose d'intéressant. Donc, Xbox préparerait un nouveau remake du premier Halo et il pourrait sortir sur PlayStation. Alors que la conférence Xbox 2024 sera lancée dans exactement 3 jours, de nouvelles rumeurs émergent sur les projets de Xbox et de Microsoft et sur la plus grosse franchise de la marque Halo. Bon, vous savez que Halo, personnellement... Déjà que j'y joue pas sur Xbox. Voilà. Enfin, encore moins aujourd'hui vu que je n'ai plus l'Xbox. Mais ce que je veux dire, déjà que j'y jouais pas beaucoup, d'accord. J'y jouais même pas du tout. Alors, si ça arrivait sur PS5, mon avis, très sincèrement, totalement rien à foutre. Pas simplement. Bref. Selon les sources de The Verge, donc The Verge, la Verge, média proche de Microsoft et souvent bien informé sur la stratégie de la marque, et légué, c'est un projet en cours qui vise à apporter plus de jeux Xbox aux consoles rivales comme la PS5 et la Nintendo Switch. Ouais, mais chose qu'ils n'ont pas compris, encore une fois, c'est que certes, des jeux Xbox qui arriveraient sur PlayStation, mais on ne parle pas de grosse, personnellement, exclusivité, c'est-à-dire que tout ce qui est Halo et Gears... et Forza, d'accord, c'est pas censé arriver et surtout il n'y a aucun intérêt que ça arrive ailleurs, d'accord. Des jeux qui sont, voilà, studio tiers, etc., qui sont exclusifs à eux, pourquoi pas, d'accord. Mais les grosses exclusivités, j'en doute. Donc c'est pas parce que d'habitude, oui, ils sont bien informés que ça y est, automatiquement, c'est sûr, parce que d'habitude, ils sont bien informés, donc automatiquement, c'est sûr. Voilà, certains essaient de gratter leur buzz, histoire de dire que, d'endormir tout le monde, dire que c'est vrai, alors qu'il n'y a rien d'acté, encore une fois, et ça se trouve que c'est une giga connerie. Donc comme quoi, les gars, ne prenez pas au comptant cette nouvelle, d'accord, tant que c'est pas officiel. Si Xbox, un jour, l'annonce officiellement que Halo va arriver sur PlayStation, ok, ça sera officiel, mais pour le moment, ce n'est que des suppositions d'un pseudo-site. Voilà. Tout ça parce que Xbox ont déjà sorti 4 jeux Xbox sur leur console, qu'automatiquement, ça y est, tous les gros jeux vont arriver. Hein. Il y en a même qui parlaient d'un Gears à un moment donné. Mais ne rêvez pas. D'accord? Parce que ils vont pas donner toutes leurs exclusivités. Et même Phil Spencer l'avait dit. Hein, le but, c'est pas de tout donner. C'est au compte-gouttes, certains jeux, mais c'est pas de tout donner. Et forcément, tu donnes pas tes grosses exclusivités où ça fait des années que c'est exclusif, comme ça, du jour au lendemain, à la plateforme. Voilà. Bref.
Le plan serait connu en interne sous le nom de Project Latitude et a démarré cette année avec une première vague de jeux que sont Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grounded, 4 jeux sortis sur PS5 et ou Nintendo Switch. Si Xbox a officiellement parlé d'un test et a dit vouloir apprendre de ses expériences avant d'éventuellement sortir d'autres jeux sur les consoles concurrentes, nous savons que Microsoft ne va pas s'arrêter là. Moi, je peux vous dire qu'il y a peut-être un autre jeu qui pourrait arriver, au lieu que ce soit un Halo, par exemple. Moi, je verrais bien un Perfect Dark, par exemple, qui sera multiplateforme. C'est peut-être déjà beaucoup plus logique qu'un Halo où ça fait des années depuis la première Xbox qu'il est exclusif. Voilà ce que je veux dire. Et puis surtout, les franchises, la plupart du temps, qui font vendre du service Xbox et des jeux Xbox, c'est les licences Halo, Gears et compagnie. Si tu enlèves ces jeux-là, il n'y a plus d'intérêt, au final, d'avoir une Xbox. Non? Et le but d'Xbox, c'est de quand même vendre des consoles et du service. Mais si ces jeux-là, tu les rends multiplateformes, forcément, ça attirera moins de gens. Alors que leur but, c'est quand même d'attirer plus de gens sur le service et sur l'écosystème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis que c'est pas logique. Bref. Comme l'indique The Verge, l'un des jeux que Microsoft considérerait pour une sortie sur PS5 serait ni plus ni moins que Halo, la franchise historique de Xbox. Ça, c'est The Verge qui l'indique, hein, qui dit ça. Hein. Voilà. Il considère juste que c'est ça. Voilà. Mais il parle au nom de Microsoft. Lol. Selon les sources du média, une nouvelle version remasterisée de Halo Combat Evolved serait en développement et la marque envisagerait sortir le jeu sur des consoles rivales. L'annonce ne serait cependant pas prévue pour la conférence Xbox 2024, puisque le développement du jeu n'en serait qu'à ses débuts. Tiens donc, bah si le truc n'en est qu'à ses débuts, comment ils font pour savoir ça alors? Hein? C'est comme si par avance tu disais, attention les gars, le prochain Gears 28 qui arrivera dans 35 ans, il sera sur toutes les consoles. Comment tu fais pour le savoir, vu que le jeu n'est même pas prêt, il en est qu'au début ou n'est même pas encore acté? Et puis d'ailleurs, je crois qu'il y a déjà eu un remaster du jeu, si je dis pas de conneries. Bref. Rappelons que le studio 343 Industries a déjà travaillé sur l'édition anniversary de Halo Combat Evolved et que le titre a déjà eu le droit à un beau lifting. Bon, ça c'est ce que je viens de vous dire. Il tourne d'ailleurs très bien dans Halo The Master Chief Collection. Alors que les joueurs semblent davantage réclamer un remake de Halo 3, ce choix paraît assez surprenant mais pourrait en même temps révéler un nouvel axe de la stratégie Xbox. Moi je vous l'ai déjà dit, les deux premiers Halo, je les ai bien appréciés sur la première Xbox et Halo 3, je l'ai vraiment adoré. Moi, pour moi, le Halo 3, c'était mon, je vais pas dire mon préféré. Mais c'est un jeu que j'ai vraiment saigné sur 360 et c'est un jeu où j'en garde de très très bons souvenirs. Et après, c'est là que j'ai complètement décroché. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai l'impression de jouer tout le temps la même chose. Bref. Si Microsoft souhaite toucher davantage de joueurs, l'entreprise pourrait très bien décider de sortir son premier jeu phare Halo sur PlayStation 5 et ainsi donner envie aux joueurs PlayStation d'intéresser à cette licence. Cela pourrait ensuite leur donner envie de jouer aux autres jeux de la franchise et pourquoi pas acheter une console Xbox ou de s'abonner à Xbox Game Pass. Une chose est sûre, Xbox n'a définitivement pas terminé de nous surprendre et cela soulèverait beaucoup de questions quant à l'avenir de la marque. Encore une fois, ce n'est pas logique. Et même s'il n'y a que un jeu qui sort en version remastered sur PlayStation, quel est l'intérêt? Moi, personnellement, si je sais qu'il y a pas mal de jeux d'une licence, mais que t'as prévu d'en sortir que un, le premier, sur la console, bah forcément, je te dirais, va te faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le but d'une licence, c'est si t'en sors un sur la console, bah il faut sortir les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme je vous avais dit par rapport à la fameuse rumeur comme quoi, soi-disant, Final Fantasy VII Rebirth devrait arriver un jour sur Xbox, alors qu'on n'a même pas eu la première partie du FF7 Remake sur Xbox. Donc tu te dirais, bah ils peuvent se le garder au final. Parce que quel est l'intérêt? Bah là c'est exactement pareil. Voilà tout simplement. Et encore une fois, les gars, ce n'est pas logique, surtout quand ils disent que c'est pour soi-disant que les joueurs PlayStation s'intéressent à la licence et puissent derrière s'abonner au Game Pass. Ah mais vous vous rendez compte de la connerie qui sort quand même? Hein? Si les gens veulent vraiment découvrir la licence, ils s'abonnent au Game Pass. Je vous signale qu'on n'est pas obligé d'avoir une Xbox pour jouer à ces jeux-là. Tu peux avoir une Xbox Game Pass sur certaines télé connectées, sur ton smartphone, avec le cloud gaming, sur PC directement, tu vois? Et la prochaine console portable qui arrive. Donc quel est l'intérêt de sortir l'exclusivité, je dirais, oui, la plus vieille, sur Xbox, sur PlayStation, d'accord?
Et pour soi-disant intéresser les gens à aller sur Xbox. Non mais. Bah non, bah si le jeu est sur PlayStation. Si on se met dans la tête d'un Jean-Kevin fanboy PlayStation, bah vu que c'est un haineux Xbox et que c'est un fanboy incontesté de PlayStation, bah il va se dire, bah non, je préfère attendre que tous les jeux arrivent. Et ça va pas le faire acheter une Xbox. Non? Ça me paraît logique, les gars. Vous pensez pas? Moi personnellement les gars, et vice-versa, hein. Bon, j'aime pas la licence de base, God of War. Imaginons, un jour PlayStation, ils auraient été à la place d'Xbox et ils décident de sortir le premier God of War en version remastered sur Xbox. Vous allez vous dire quoi? Vous croyez que les joueurs Xbox ils vont acheter une PlayStation pour jouer aux autres jeux? Ça va pas les attirer? Ils vont se dire quoi? Bon, le 1 est sorti donc ils vont sortir les autres. Donc on va attendre. Bah c'est exactement pareil. Croyez vraiment que les gens vont passer sur une autre plateforme? En plus de ça, avec tout ce que ça engrange, c'est-à-dire toujours plus à débourser le moindre euro, je vous rappelle, les joueurs de prix, les abonnements obligatoires, les ceci, et les consoles qui sortent de prix, et les accessoires de merde parce que c'est de la merde, c'est-à-dire toutes les manettes, etc. Et évidemment, on croyait vraiment qu'un joueur, il... Jusqu'ici, je pense que le joueur a été assez con, d'accord? Et moi-même, hein, je me mets dans le même panier, hein. Après autant de temps d'avoir joué aux consoles, bah c'est maintenant sur cette génération qu'on se rend compte qu'en fait, bah les consoles c'est peut-être maintenant mort et que c'est devenu vraiment l'endroit où tu te fais le plus niquer. Voilà. Et dans la tête d'un joueur, s'il y a un jeu qui sort, ça va sûrement pas lui faire passer sur une autre console. La preuve en est, les gars, Call of Duty arrive Day One dans le Game Pass. Est-ce que là, vous trouvez que Xbox d'un coup, là, comme ça, ils ont vendu plein de services et ils ont vendu plein de consoles. Est-ce que vous avez le moindre article ou le moindre chiffre qui est sorti? Non. Donc, ça prouve que l'arrivée d'un Halo, un seul jeu sur PlayStation, ne fera pas plus de personnes allant sur Xbox ou ça ne va pas inciter plus de gens à s'abonner au Game Pass. Donc, tout ça, c'est de la connerie. C'est juste histoire de dire tout le temps la même chose, histoire de dire, ouais, regardez, s'ils font ça va fonctionner, ça va faire ci, ça va faire ça. Mais la réponse est non. Et vous le savez. Moi personnellement, les gars, aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai dégagé la Xbox. Je n'ai que la PlayStation. Imaginons le Halo, le premier Combat Evolved, version remastered, il arrive sur PlayStation. Imaginons. D'ailleurs, ça colle pas, parce que version remasterisée. Ok. Est-ce qu'ils comptent faire comme Rockstar avec la Red Dead Redemption et vous plumer la gueule? Peut-être. Parce qu'ils savent que les joueurs PlayStation sont tellement cons qu'ils sont prêts à racheter 50 fois les mêmes jeux. Pendant que sur Xbox, vous avez déjà eu le lifting du jeu. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais bon, ils se disent que pour Red Dead Redemption, le premier du nom, ça a fonctionné. Donc, peut-être qu'ils vont partir de ce principe-là. Mais Xbox, je pense qu'ils sont pas aussi escrocs que PlayStation. D'accord, de ce côté-là. Sans parler des histoires qui s'est passées avec les bannissements, etc. Bon. Mais j'ai envie de vous dire, les gars, quel est l'intérêt en sachant que le jeu a déjà une version, on va dire, retoucher sur Xbox de base, et quel serait l'intérêt de remasteriser le truc? Alors vous allez me dire, ils ont fait pareil pour le Gears 1, et ils ont fait la version remastered, alors que la version 360, elle est déjà très jolie, elle est en 60 FPS, elle a été réarrangée pour que tout fonctionne correctement. Certes. On sait pas en fait. On sait pas. Personne ne sait. On se base juste sur une source d'un site à la con qui, soi-disant, oui, ils ont tout le temps raison, ils ont souvent raison, etc. Donc, ça y est, ils ont dit ça, donc c'est acté. Bah, la réponse est non, les gars. Moi, je vous ai toujours dit, faites très attention, même quand des fois, c'est des sources qui, à 80%, souvent, ils se trompent pas, tant que ce n'est pas officiel, pour moi, ça reste au stade d'une rumeur et d'une spéculation. Voilà. Tant qu'on ne voit rien, ce n'est qu'une spéculation et qu'une rumeur. C'est comme le coup de la Xbox portable. Je vous l'ai dit pour l'instant, on attend que ça soit annoncé officiellement. Et tant que ce n'est pas annoncé officiellement, ce n'est qu'une spéculation et une rumeur. Et c'est comme tout le reste. C'est comme tout le reste. Et comme quoi les gars, tout le monde peut vous mentir. Regardez les Call of Duty après le rachat d'Activision. C'était pas avant 2025 qu'un Call of Duty devait intégrer le Game Pass. Et au final, le nouveau Black Ops 6 là qui va arriver, qui est comme on va dire intégré
au launcher Call of Duty HQ comme un DLC. Il est référencé comme un DLC. Bref, ça c'est pas le sujet. Mais il est dans le Game Pass. Alors qu'ils avaient bien stipulé que de base, c'était pas avant 2025. Donc, beaucoup de mensonges, beaucoup de retournements de veste, et au final, on n'est plus sûr de rien. C'est pour ça que je vous dis que toutes les infos, tout ce que vous entendez, ne soyez sûr de rien, ne prenez rien comme argent comptant, comme on dit. Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, mais vous m'avez compris. D'accord? Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Tant que ce n'est pas officiel, que ça ne sort pas de la bouche d'Xbox, ou que ce n'est pas dévoilé dans une conférence ou un showcase, etc. Pour moi, ça reste que au stade de rumeurs, spéculations. Tout simplement. Maintenant, vous allez me dire, vous, dans l'espace commentaire, est-ce que vous pensez que c'est possible? D'accord? Et surtout, quel est l'intérêt? Personnellement, s'ils sont là pour faire du business, bah, pourquoi ils n'en discutent pas? Business is business, certes. Mais je vous ai dit la même chose la dernière fois pour l'arrivée de Sea of Thieves et compagnie sur PlayStation. Pourquoi ils ne demandent pas à PlayStation de lâcher un jeu aussi sur leur plateforme? C'est censé être donnant-donnant. Parce que dans l'histoire, c'est qui va gagner? C'est qui va y gagner le plus? C'est PlayStation, on est d'accord. Eux, ils vont avoir un Halo sur leur console, qui, je ne sais pas s'il va bien se vendre, mais admettons, d'accord, si ça arrive, et encore une fois, ce n'est qu'une spéculation, admettons que le Halo arrive sur PlayStation et que ça se vende bien. Et Xbox, d'un côté, ils y gagnent quoi? Or, des ventes, certes, mais au niveau des jeux, bah rien. Bah oui, les gars, au bout d'un moment. Moi, c'est pour ça que je comprends pas trop leur move, hein. Et même avec le move de Sea of Thieves, j'ai pas trop compris. Au début, je disais, bon, c'est peut-être une bonne chose parce que ça permet de faire perdurer les jeux. Ouais, mais d'un autre côté. D'un autre côté. Essaye d'avoir un jeu, une licence, ou même admettons une licence que PlayStation, ça fait bellurette qu'ils ont abandonné, par exemple. Prenons un exemple, par exemple, bon, je ne veux pas dire les Sly Cooper parce que c'était sur PS3, non. Je vois mal un jeu PS3 se ramener sur Xbox, hein, voilà. Parce qu'il faudrait que le studio bosse et. Bon, déjà qu'ils ont l'air d'abandonner déjà la licence de base. Donc, leur demander de travailler sur une version spéciale Xbox, faut pas trop leur en demander. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de jeux qui aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Tiens, par exemple, Days Gone. Days Gone, il n'y a pas de suite. Et il n'y aura peut-être jamais de suite. Parce que PlayStation ne donne pas le feu vert. Bah, ils auraient pu très bien, par exemple, demander l'arrivée de ce jeu sur Xbox. Vu que les gens attendent toujours une suite qui peut-être n'arrivera jamais. Mais non, ils restent dans leur coin et ils se contentent de juste partager leur jeu et juste comme ça. Ouais, mais le business, au bout d'un moment, il faut qu'il soit lucratif pour tout le monde. Enfin, moi, personnellement, les gars, j'aurais été à la place d'Xbox, je leur dis, écoutez, nous, on vous propose telle licence, on vous propose ça, et voilà, si vous êtes d'accord, est-ce que vous serez prêt à partager telle licence, telle licence, telle licence? Voilà, tout simplement. Mais là, souvent je disais Xbox pense plus aux joueurs que PlayStation, mais là je suis en train de me dire en fait, c'est pas tout le temps le cas, hein. Voilà. Parce que s'ils savaient à peu près chez Xbox quelle est la licence PlayStation ou un jeu qui est sorti que sur PlayStation qui les intéresse potentiellement, qui pourrait les intéresser sur une venue sur Xbox, peut-être qu'ils auraient essayé de tirer les verres du nez de PlayStation, de leur demander, etc. Mais non. Se contentent juste de partager les jeux comme ça et juste histoire de ramasser de la thune. Mais si certains joueurs Xbox sont intéressés par certaines licences, etc., tant pis. Moi, je comprends pas trop, les gars. Bref, en tout cas, ce n'est qu'une spéculation, encore une fois, comparé à certains vendus qui ont déjà fait leur vidéo et de dire ça y est, Halo va arriver, Halo va arriver. Attendons de voir, tant que c'est pas officialisé, il n'y a rien de sûr, c'était qu'une spéculation de rumeur, encore une fois. Mais est-ce que vous. Si vous êtes juste joueur PlayStation et que vous n'avez pas de Xbox, est-ce que, et là on va en venir, est-ce que pour vous, si Halo vous intéresse ou si vous allez jouer à Halo, est-ce que ça va vous intéresser, vous pousser à acheter une Xbox et à vous abonner au Game Pass? Je pense que la plupart vont me dire non. Voilà, tout simplement. Ou alors s'ils veulent s'abonner au Game Pass, ils vont juste prendre un abonnement comme ça et jouer sur leur téléphone ou sur leur PC. Voilà. Ou sur leur télé connectée. Bref.
Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, comme note dans la description, soyez soutenir la chaîne. Lien de la chaîne Twitch, lien de mes réseaux et lien d'affiliation à Stand Gaming pour payer vos jeux et vos abonnements moins chers sur toutes les plateformes. Et n'hésitez pas, à chaque achat en plus soutient la chaîne financièrement. Et ça permettra, dans un futur, de vous proposer beaucoup plus de jeux, soit des jeux à faire en live ou tout simplement en futur let's play ou rien que avec des fonds de gameplay comme ça, etc. Donc, n'hésitez pas, tout simplement. Je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.